Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on continue avec l'improvisation. Alors bien sûr, on y reviendra par la suite. Il y a tout un tas de codes à connaître, selon le style dans lequel vous évoluez, d'habitudes, d'usages, de matériaux que vous allez devoir maîtriser, tout ça, ok. Les gammes, les arpèges, les machins, voilà, tout ça bien sûr, c'est le domaine technique un peu. Mais il y a un truc dont je voudrais vous parler, parce que très souvent, j'entends du bavardage, une espèce de diarrhée verbale comme ça, qui est complètement pourrie, enfin diarrhée instrumentale, qui emmerde tout le monde. La chose dont manquent le plus cruellement les gens quand ils improvisent au début, c'est du poids. Le poids, en musique, c'est quelque chose de très très important. Quand vous jouez une phrase, vous devez mettre tout votre poids dedans. C'est très dur à expliquer. Je vous ferai peut-être un exemple avec un instrument pour voir le truc. Mais si vous jouez tabedabeda, voilà, ça va toucher personne. Si d'un seul coup tout le corps est engagé pour faire tabadabada, ou le plus doucement possible, quelque chose qui va être optimisé, on va dire, ça va toucher plus de monde. Vous devez absolument mettre du poids dans les choses. Quand vous voulez que ça groove, il faut mettre du poids aussi. Le poids, c'est ce dont manquent le plus les gens, je trouve. C'est mon avis, hein, mais je vois ça beaucoup dans mes élèves. Vous devez être sensible à la direction de l'improvisation que vous allez faire, et aussi à celle que vous écoutez, pour repérer si vous mettez suffisamment de poids. Écoutez d'autres improvisateurs et essayez de voir. Bon, il y a des fois où ça va vite et tout, bon. Mais quand ça va un peu moins vite, même quand ça va vite, hein, avec quelle manière on met en valeur les temps, avec quelle manière on met des accents, avec quelle intensité on s'engage dans une pêche, avec quelle intensité on va vers quelque chose, la direction de la phrase. Tout ça, c'est lié à l'engagement. Très souvent, je vois des gens qui sont comme ça, qui improvisent, et puis c'est fini, et on se fait chier les mecs, faut pas faire ça. Faut s'engager. Si vous faites un solo, faut vous engager. Voilà, l'engagement. Super important, l'engagement. L'engagement, c'est lié au poids. Et le poids, ça va être lié au corps. Votre corps doit avoir une attitude qui vous corresponde et qui corresponde à l'émotion que vous voulez faire passer. Voilà, c'est pas juste vos doigts qui bougent sur un instrument, c'est tout le corps et qui est le reflet, qui est l'image de tout l'esprit. Voilà. N'hésitez pas à télécharger les e-books dans la description, il y a les liens, et puis à me laisser des commentaires, puisque comme ça, ça me permettra de savoir ce dont vous avez besoin. Abonnez-vous, enfin là, ça fait beaucoup de choses, hein. Vous n'allez jamais faire tout ça. Bye bye, ciao. Thank you.